de Savings 43, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur House Flipper 2. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Donc aujourd'hui on va continuer donc de rénover une nouvelle maison. Et ça va être la plus pourrie que j'ai pu faire parce que c'est tout simplement une maison au-dessus d'un garage. Donc j'ai déjà un peu... Je me suis occupé justement de la phase de vente. Bon, c'est pas le même, mais bon, c'est pas grave. Hop. Le garage, on va juste mettre une armoire métallique, enfin des armoires métalliques dedans. En mode garage, quoi. On peut laisser le skate. Voilà, tac. Pardon. Donc ouais, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme vous pouvez juste entendre, j'ai un peu la voix prise, mais ça va encore. Ça aurait pu être pire. Tac. La poubelle, on va la sortir dehors. Hop. Non, c'était pas ça que je vais faire, c'était le prendre le skate. On va le mettre là comme ça. Voilà. Étagère métallique. On va en mettre juste deux, je pense. On va mettre un petit bureau ici. Avec une chaise de bureau. On va prendre une comme ça. On va juste changer la couleur en noir. Et ça, pareil, on va mettre en noir. Tac. Et ça fait stylé quand même noir et blanc comme ça. Ouais, donc je trouve que le garage c'est pas là où il y a forcément besoin de beaucoup de détails. Hop. Donc ouais, les premières maisons que je vais acheter, il n'y aura pas forcément beaucoup de rénovation à fond dessus. Parce que quand on voit les maisons que c'est pas oufissime quoi. Je vais juste faire en sorte qu'elle soit potable. Truc c'est que je peux pas laisser un truc aussi moche. Retour. Bah c'est comme ça, les amis. Ouais, ça fera déjà un peu mieux.
peux faire ça comme ça, hop. Voilà, et là pareil. Voilà. Hop. Ah, je trouve déjà ça fait un peu mieux. Hop, allez, un petit coup de brosse ici. Ah ouais. C'est une vraie déchetterie là aussi. On va changer cette cuisine et ces meubles aussi. Et le sol aussi parce que c'est moche comme ça. C'est pas homogène les couleurs et tout. Hop. Le radiateur pareil, on le changera. On va changer les portes. Voilà. Je pense qu'on peindra le plafond en blanc parce que avoir un plafond comme ça, c'est moche. Sais pas déjà comment on peut habiter sur le toit d'un garage. C'est nul. Hop, je pense que là, la table et la chaise aussi, hop, hop. Je pensais pas qu'il y aurait autant de taf à faire dessus. Je comprends pas le design. Hop. Et hop là pareil. Parfait, donc les vitres c'est bon. De ce côté les vitres aussi à faire. Juste un moment, je pense que je serai obligé de faire une petite ellipse, mais je continuerai. Enfin, je reviendrai après. Faut que j'ai un truc à faire après.
Tac, je pense que là on est pas mal. Prendre celui-ci en chaîne. Hop. Déjà, je trouve que ça fait plus attirant de voir un sol comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. Mais je pense que là, ouais, le sol est beaucoup mieux. Comment je peux faire? C'est quoi, Dev? Ça serait dans panneau, mais ça serait lequel qui représenterait bien le truc? Potentiellement lui. On va essayer comme ça. Ouais. Je sais pas où ça se trouve les panneaux comme ça là directement. Au moins ça fait un style. C'est pas la peinture qu'il me fallait. Hop. Va essayer de faire les choses bien. Hop, hop. Voilà, là pareil. Voilà, déjà rien que ça change tout. Tac, je peux le revendre ça. On va prendre la tapisserie, je pense, pour changer un peu. C'est vrai que la peinture, c'est bien, mais il faut qu'on change un peu quand même. Donc, papier peint, on va prendre un truc assez, assez beau. Pas grave, ça se revend de toute façon.
Ouais, ça change. Franchement, j'aime bien. Ça fait un petit style. Hop. Hop. Allez, là, voilà. Parfait. Ah, j'ai oublié de mettre la tapisserie quelque part. Enfin, de la. Du multi sur. Des poutres, quoi, en gros. De ce côté-là. Hop, hop. Voilà. Je change un petit truc. Hop. Franchement, je trouve ça un peu mieux. Tac, du coup, faut qu'on retourne dans. Là-dedans, je crois que c'était lui. Non. Je me rappelle plus c'était lequel. Pas genre filtré par truc déjà enfin récemment utilisé. Ah, je suis dégoûté, c'est plus lequel que j'avais pris. Je crois que c'est ça. Ouais, mais c'est pas la même couleur. Bon, on va changer la couleur, c'est pas grave. Allez, on recommence. C'est bon, j'ai pas revendu la tapisserie.
Bon, attendez, ça je vais le faire de mon côté parce qu'on l'avait déjà fait ensemble, je vous retrouve tout de suite. Ok, re, donc pour ça c'est bon, du coup logiquement j'ai pas oublié de ce côté-là. On est pas mal du tout. Juste j'avais oublié de mettre la tapisserie quelque part, il me semble. C'était où? Ah, c'était ce côté. Voilà. Bah, je pense que comme ça, le salon, on n'est pas trop mal. Ça change. Pas salon et cuisine. Tac magasin. Map de cuisine. On va mettre des trucs basiques. Tac, on va mettre ce meuble-là. Ça, je vais le déplacer, je pense, par là. Voilà. Le four, on va le mettre par là. Mettre un petit frigo, ça devrait suffire. Mais il a un coin arrondi. Ah, attendez. Hop. Voilà. Tac. On va mettre un petit meuble comme celui-ci. Tac. Je pense que comme ça on n'est pas trop mal pour le côté cuisine. Là on va mettre un petit canapé. Tac tac tac, un petit canapé, pas trop cher. Genre ce truc là c'est 4300, wesh. Ça a fumé le machin. On va mettre ça. Enfin, peut-être pas cette couleur, je sais pas si je peux si. Voilà, comme ça c'est bien. Faut pas trop en demander non plus, c'est une petite maison au-dessus d'un garage. La télé. À mettre une petite télé quand même. Quand je dis petite télé, c'est vraiment une petite télé. Après, ici. Hop. Je pense pas que je ferai grand chose à la salle de bain. Juste potentiellement refaire le mur. Avec des trucs un petit peu plus clairs. Je vais changer de douche. Hop,
Les PQ, on va tout mettre là-dedans. Voilà. Comme ça, ce petit machin, on peut le revendre. Alors, douche. Parfait. Tac, tac, carreau. Ah, j'ai mis la douche devant. Voilà, je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. Prendre la peinture blanche. Tac. Voilà. Parfait. Je pense qu'on peut laisser cette petite bande. Hop, on a obtenu un point en plus. Hop. À courte peinture. Allez, c'est reparti. Tac. Franchement, je trouve déjà ça fait un peu mieux. Pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça rafraîchit bien. On va remettre une douche du coup. Hop. Ok, nickel. Voilà, on va remettre une porte.
Et ici, donc la chambre. La chambre, il y a pas mal de boulot, hein. La tapisserie tout arrachée. Hop. Truc c'est que ça part même pas. Du coup, je vais faire une petite ellipse, les amis. Je continuerai la peinture de mon côté et je vous retrouverai vous pour la déco. Du coup, je vous dis à tout de suite. Ok, retenons donc, c'est bon. Du coup, j'ai fait la peinture et tout ça de mon côté. Voilà, j'ai même fait le plafond. Je trouve que ça fait beaucoup plus éclairci, on va dire. Ça fait beaucoup mieux. Du coup, on va pouvoir finir ensemble, les amis. On va nettoyer les vitres et on va décorer la chambre. En mode ben, chambre et petit coin bureau. Okay, donc là il n'y en a pas besoin. Histoire qu'on puisse revendre cette maison au-dessus du garage. Ah non, puis il y aura aussi le derrière à faire. La sorte de terrasse, je l'avais oublié ça. De toute façon la terrasse on va juste débarrasser. Truc lambda quoi. Il me semble que c'était bien le bordel. Ok. Voilà, hop, ce côté-là aussi. Hop, je finis juste un truc. Hop, tac. Voilà. Alors, on va pas revendre cette petite fleur toute pourrie. Alors, du coup, au niveau lit. Ça fait cher. Moi, ça serait plus simple de mettre le lit de ce côté-là. Peut-être pour le décaler un peu plus, voilà, par ici, au niveau de la fenêtre. Là, on va pouvoir mettre, je sais pas, je pense le bureau. Non, pas un petit bureau comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. On va mettre une petite chaise de bureau. Tac, on va mettre un petit ordinateur. Voilà, juste un petit ordinateur portable. On va mettre des petits bouquins. Changer l'orientation.
Ah, il passe pas comme ça. Voilà, on va mettre des petits bouquins comme celui-ci. Allez. Voilà, on va mettre une petite poubelle. Tac. Ah, ça rentre pas dans le pot. Tant pis. Poster. Voilà, des petits posters par-ci par-là. Désolé. Tac tac tac. Je pense qu'on. Non, ces lumières-là, on peut les laisser. Ouais, juste du coup rajouter des tables de chevet. Table de nuit. Pas besoin spécialement des trucs trop chers. Pour une maison pareille, il n'y a pas besoin de trop de trucs chers. Voilà. On va donc rajouter la porte ici. Donc c'est là celle-ci. Franchement, ça fait trop bien avec les couleurs du bois que j'ai mis. Alors là, il y a quoi? Ok. Donc juste un petit coup de beauté ici. La vitre, ça, elle est pas sale. Ah. Ok, donc là c'est bon. On peut laisser comme ça, c'est avec un petit local, ça de toute façon. La petite buanderie, donc là, on pourra juste laisser comme ça. On va juste, je pense comme dans chaque maison que j'ai fait. On va juste acheter une machine à laver. Ça, je vais le mettre là. Tac, une machine à laver. Là, on va juste acheter une, ouais, machine à laver. On va pas acheter le sèche-linge. Il n'y a pas assez de place. Voilà. Hop. Et donc là. Ah ouais, c'est un peu le bazar là aussi. Je pense que les skates, je vais aller les mettre dans la maison. Enfin, dans le garage, comme j'ai fait pour l'autre.
Ouais, finalement. On va juste garder lui. Voilà. Tac. Je pense qu'on est pas trop mal. Ah, voilà, on y voit mieux. Je suis resté un canapé. Non, c'est fauteuil. Chaque fois, je confonds. Tac. Voilà. Acheter un petit barbecue. Terrasse, si je fais ça. Ouais, non, on va laisser comme ça, hein, je pense, les amis. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Tac. Vente aux enchères, du coup. Let's go. Alors, du coup, il y a Owen White qui nous propose 84 600. Ça nous fera un bénéfice de 23 079. Et on a Arthur qui nous propose pour 100 $ de plus. Et ben, franchement. Hop. Tac, nickel. Du coup, let's go. On va pouvoir s'arrêter là. Ah, on va juste s'attribuer les points. Voilà. Donc là, on a fait quoi? Lorsque vous vendez une maison, vous pouvez choisir entre 3 acheteurs. Donc c'est cool. Et vendre des maisons vous rapporte plus d'argent. Ici, pas de prix d'amis. Voilà, nickel. Et il n'y avait pas un truc pour la peinture aussi? Si, mais j'ai tout. Ouais, j'ai tout pour la peinture. Ok, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.